Vendredi 12 janvier, le Daily Mail a dévoilé pour la première fois la note du secrétaire privé d'Elisabeth II qui décrit les derniers instants de la monarque. Sir Edward Yeo révèle notamment que la reine s'est éclipsée sans aucune douleur. Le 8 septembre 2022, la reine Elisabeth II mourait à l'âge de 96 ans dans son château écossais de Balmoral. Montée sur le trône à 25 ans en février 1952, la monarque britannique régnait depuis 70 ans, soit le plus long règne depuis celui de la reine Victoria. À l'occasion du premier anniversaire de sa mort, son fils Charles lui a rendu un vibrant hommage, saluant sa longue vie et ses services dévoués. Je suis aussi profondément reconnaissant pour l'amour et le soutien qui ont été montrés à ma femme et à moi-même au cours de cette année alors que nous faisons tout notre possible pour être au service de vous tous, a également confié le souverain. Le prince Harry, en froid avec la famille royale, avait lui aussi eu un mot pour sa grand-mère. Elle nous regarde tous ce soir, heureuse que nous soyons ensemble et que nous continuions à mettre en lumière une communauté aussi incroyable, avait-il déclaré lors d'un gala de charité. Elle n'aurait eu conscience de rien vendredi 12 janvier, le Daily Mail a eu accès à l'ouvrage Charles III, New King, New Court. The Inside Story, écrit par le journaliste britannique Robert Hardeman. Le spécialiste de la famille royale a notamment pu obtenir une note historique écrite par Sir Edward Yeo, le secrétaire privé de la reine Elisabeth II, détaillant les derniers instants de la monarque. Très paisible. Dans son sommeil. S'est éclipsée. De vieillesse. Elle n'aurait eu conscience de rien. Aucune douleur, a écrit Sir Edward Yeo. Conservé dans les Royal Archives, ce document n'avait encore jamais été dévoilé au public. Robert Hardeman explique également dans son livre que le décès de la reine a été très soudain, ce qui a conduit Charles III à se rendre en catastrophe à Balmoral. Le secrétaire privé aurait par ailleurs reçu une lettre écrite par la reine avant de mourir. Thank you.